Bonjour, je m'appelle Patrick Agarde. C'est un très grand plaisir d'être accueilli à l'Institut des études avancées dans le cadre de la chaire Jean d'Alembert en partenariat avec l'Université de Paris-Saclay. Mes recherches portent sur le sentiment de l'agentivité et de la responsabilité chez l'humain. Quand on fait une action, on se rend immédiatement compte qu'on l'a fait et on se rend normalement compte du résultat de l'action. J'appuie sur le bouton et puis le lampadaire s'allume. Donc on comprend très bien les actions que nous faisons et comment ils transforment notre environnement et nous donnent la possibilité d'interagir avec les autres, etc. Alors, nous comprenons maintenant que le cerveau humain a des circuits spécialisés qui nous permettent d'apprendre de nouvelles actions et de comprendre leurs résultats. Pourtant, on ne naît pas agent. On apprend l'agentivité. On est renforcé par nos parents et par notre culture pour comprendre exactement quelles actions aboutissent à quels résultats et si ces actions sont souhaitables ou bien qu'il ne faut pas les faire. Maintenant, on est dans l'époque des machines intelligentes. Et il faut se demander comment est-ce qu'on va cohabiter, nous, les agents humains, qui ont notre sentiment d'agentivité, avec les intelligences artificielles, qui n'ont pas de sentiment d'agentivité. Comment est-ce qu'on va comprendre les actions intelligentes et peut-être même très utiles de ces agents artificiels? Et comment va-t-on décider les questions de responsabilité si l'IA fait une action qui ne nous convient pas, qui sera responsable? C'est une question d'ingénierie, mais aussi c'est une question de grande importance sociétale. Il y a une grande nécessité de discussions transdisciplinaires pour comprendre la responsabilité des actions des nouveaux agents qui vont occuper notre espace public.